Quelles sont les trois questions qu'on a abordées hier? Pourquoi les Grecs ne sont pas éparpillés, c'est la troisième. Dans la première d'abord. La première, c'est qu'ils n'ont pas détruit le... Non. Pourquoi c'est pourquoi c'est cet exil qui a été assimilé à l'obscurité. Puisqu'on a vu, par rapport au verset qui apparaît au début de la création du monde, où la Torah a dit que la terre était tout babou et que l'obscurité planait sur la surface des abîmes, et que finalement il y avait également, attention, c'est très important à la fin du verset, des rois Elohim et Rachefet al Penamaim, et qu'il y avait un esprit d'Hachem qui planait au-dessus de l'eau. On a dit que Tohu, c'était, fait référence à l'exil babylonien, Bohu fait référence à l'exil perse, c'est-à-dire Purim, et Rocher, l'obscurité, fait référence aux Grecs. Les abîmes font référence aux Romains, et l'esprit divin qui plane sur la surface de l'eau, c'était la période de Mashiach. Maintenant, la première question qu'on a abordée hier, c'était la suivante. Pourquoi est-ce que c'est des Grecs c'est pourquoi l'obscurité fait référence à l'exil grec? La question, en fait, est plus profonde, parce que le Midrash dit pourquoi est-ce que... C'est le Midrash, pardon, qui pose la question. Pourquoi le Rocher fait référence à l'exil grec? Le Midrash a la réponse, parce qu'ils ont obscurci les yeux des enfants d'Israël par leur décret. Notre question à nous réelle était la suivante, mais tous les exils ont fait des décrets contre Israël. Donc, cas de particulier, la Grèce, pour avoir été mis en avant concernant cette obscurité due à leur décret, puisque les Romains ont fait des décrets aussi graves. Et tous les autres ont eu des décrets aussi importants. Donc, que veut nous dire le Midrash en mettant en avant les Grecs vis-à-vis de cette obscurité? Première question. Deuxième question, bravo, tu as dit. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas détruit le Midrash? On verra que c'était la politique des Grecs, de toute manière, de tout empire qui veut s'imposer. Il enlève toute trace de ce qui existe et de ce qui a existé pour pouvoir imposer sa culture, quand bien même ils étaient des gens très civilisés, pas tant que ça, faut pas croire, mais par rapport aux autres, oui, malgré tout, il aurait été logique, puisqu'ils veulent imposer l'hellénisme, d'effacer toute preuve d'autres cultures et d'autres civilisations, et en particulier une qui est puissante, qui est celle des Juifs. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash? Et troisième question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait comme tous les autres exils, et n'ont pas exilé les enfants d'Israël? Pourquoi ils ont laissé le peuple juif concentré en Terre Sainte? C'était les trois questions. Bah, ça faisait déjà deux siècles, on a dit, avant que tout se passait bien, a priori. Ça faisait déjà deux siècles, donc un petit feu, il est long le feu, là. Bah, par exemple, si on est tous ensemble, si on est exilés, on va s'éparpiller, on va diffuser la Torah normalement. Et si on est tous ensemble, on va s'entretuer aussi ensemble. Mais là, une fois que tu veux mettre la main mise sur un peuple, la chose la plus facile, sans t'embêter, c'est tu les exiles. Parfait, hop, tu les déportes. Oui, mais tu les déportes. Ils les exilent, comme il s'est passé partout. Oui, toujours. Mais ça ne va pas les tuer. On ne va pas les tuer, et ils vont disparaître. Ils vont s'assimiler, ils vont disparaître. Justement, ils vont diffuser la Torah. Mais non, parce qu'ils n'ont plus à les décrets, c'est fini. Malheureusement, tu effaces une communauté et tu l'empêches de se recadrer et de se rassembler, c'est terminé, il n'y a plus. Vas-y, il n'y a pas de synagogue d'Adar, c'est la Lachot. On ne peut déménager que dans un endroit que si on sait qu'il y a une communauté et Bet Knesset et un Mikvé d'abord. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ces deux choses-là, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie juive. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que, c'était la troisième question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas éparpillé le peuple pour qu'il se perde. Ça, c'était les trois questions qu'on a dit. On est parti sur un principe qui est rapporté dans le livre de Devarim à Adam. Ou Etz Asadé. L'homme est un arbre des champs. Et donc effectivement, c'est plus qu'une comparaison. On a un parallèle entre l'homme et l'arbre. En quoi est-ce que c'est un... Comment est-ce qu'on a fait cette comparaison? Qu'est-ce que ça voulait... Où on voulait en venir? La graine est 99%. Voilà. C'est que pour qu'un arbre devienne un arbre, il faut planter une graine. Et pour que cette graine... Et pour qu'il germination, il faut qu'elle pourrisse et qu'elle atteigne quasiment sa désintégration totale, sa fin de vie. Donc, pour que l'arbre devienne un arbre, il faut que la graine parvienne à un stade de pourriture et de putréfaction ultra avancé. On a dit quasiment presque à 100%. Et dès lors qu'elle va disparaître, c'est là que, effectivement, elle jaillit, elle germe et elle devient une plante, un arbre, ou en tout cas, ce qu'on a planté arrive. Pour dire quoi? Donc maintenant, en quoi l'homme est comparé à l'arbre?
est comparable à l'arbre. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Maintenant qu'on a dit ça. Il évolue. Les racines. Que pour qu'Israël connaisse la Géoula et la pousse, le développement, l'épanouissement le plus total, il faut qu'il arrive à un stade limite où il va disparaître. Comment ça se fait que ça, quand on l'a mis sur Israël, ce pasouk, c'est magnifique, mais le pasouk est Adam, pourquoi l'homme il serait obligé d'arriver, à part il oublie la dimension. Bah Adam, c'est Aten Kurim Adam, c'est vous qui êtes appelé Adam, c'est vous Adam. Donc on parle pas des autres, c'est purement Bnei Israël. Aten Kurim Adam et M. Kurim Adam. Donc, c'est ça le parallèle monumental qu'on a étudié hier. C'est que de la même façon que l'arbre, pour devenir un arbre, il faut qu'à la base, il se dépérisse au point de ne plus exister quasiment. La graine, à travers la graine. Et bah pareil, l'homme Israël, pour pouvoir connaître la plus grande Yeshua, doit forcément passer par un... donc c'est l'exil qui va s'occuper de ça, par un moment de Jvira, on a dit de Nekudat Shelvira, de point de brisure. Il ne faut pas arriver à la brisure. C'est dès qu'on arrive pile, presque, à la limite d'être brisé... C'est là qu'Akadosh Baruch Hu intervient et qu'il fait, il refait gérer la Yeshua. Et on a vu des exemples qui ont été donnés hier. Déjà, on n'a pas d'Avraham Avinu, lui-même Avraham Avinu. C'est dès lors qu'il a dit à Nohi, à Afar Vaefer, je ne suis que cendre et poussière, qu'il est devenu Avraham. Et toute l'histoire, on a vu Tzrak, c'est au moment où Hachem, il a vu que le couteau, il allait lui aiguiser, il allait l'égorger. Hop, stop. Il attend presque Nekudat Shelvira, le point de brisure, et c'est là que le bonhomme il devient qui il doit devenir. Et on a vu toute l'histoire. L'Égypte, c'était le meilleur exemple, là, avec les 49 degrés d'impureté. Il a fallu attendre Bédiou pile la fin, en fait. Et donc, dès qu'on voit que l'issue va disparaître, c'est là que Kadosh Baruch Hu intervient et qui refait jaillir. Donc, on va voir qu'effectivement, dans cette difficulté, en fait, c'est cette difficulté qui donne la naissance, de la même façon que la graine, il faut qu'elle passe par ce stade de putréfaction pour pouvoir devenir l'arbre fruitier. Parce qu'on a pas, on dit l'arbre des champs. Enfin, pas n'importe quel arbre, on parle d'un arbre qui va donner des fruits et qui va se reproduire, entre guillemets, à l'infini et se régénérer non-stop. Donc, il faut passer par cela. Il y a deux versions sur Mashiach. Est-ce qu'il va venir, comme tu dis, on va arriver dans... On va voir. Et ben on va parler de ça. C'est ça, c'est ça que je voulais comprendre. D'ailleurs, plus c'est marbre, plus on a la dernière... Plus on a la dernière limite, plus on remonte très fort. Et là, avant, tu dis, c'est vraiment, il vient la dernière limite. Mais toujours, en fait, c'est toujours la dernière limite. Donc, ça, tu remontes quoi qu'il arrive très fort. Quoi qu'il arrive, et la preuve, c'est qu'après des millénaires, on voit bien que ce processus difficile, certes, a quand même bien marché. Puisque toutes ces civilisations qui ont été souveraines sans nous n'existent plus. Donc, ce principe de souffrance et de soumission à l'extrême, il nous permet donc de nous libérer. Et ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de d'appréhender maintenant comment ça va se passer pour ce qui arrive, pour la suite maintenant. C'est un peu mytho de dire qu'on va, en faisant des mitzvot, tout ça, on va avancer la vie de Mashiach. On va en parler. C'est un mytho parce qu'on sait qu'on devait passer par tous les exils. Ça va être le cours d'aujourd'hui, mais Zantachem. On va parler de ça aujourd'hui. Alors voilà. Une quatrième question qu'on va aborder. Un dernier point. Est-ce que c'est un but en soi d'attendre Mashiach ou pas? C'est-à-dire? Moi, perso. Une obligation. Bien sûr qu'on attend Mashiach, mais c'est. Ça fait partie des 13 attributs, bien sûr, c'est obligatoire. Bien sûr que je crois à Triatamitim, ça c'est pas un problème, ça on y croit, machin, on y croit. Est-ce que c'est un but en soi, je crois que c'est une mitzvah, dire attends, je veux. Bah oui. Non. Parce que je crois que c'est pas vrai. On est pas Chabad. Non, la délivrance, on le fout en fait. Le type Pinot qu'on a eu. On agit pas pour Mashiach. Ouais, il me cherche. C'est vrai, attends. Le Pinot, c'est déjà pas On a peut-être la mitzvah 3 fois par jour, mais tu pries pour non, mais je suis d'accord, moi, avec. Tu fais pas ta mitzvah pour Mashiach, tu t'en fous du Mashiach. Tu fais ta mitzvah pour Dieu, Mashiach, il vient. Je suis d'accord, moi. Après là, on rentre dans la réflexion de la pensée. Quand je dis que c'est obligatoire, on voit bien que la suite, on voit bien que le pasouk, il a été fait pour ça. Tout va vous verrocher al pedam verouach merachefet al penamaim. La dernière ère, pardon, l'ère, la fin, c'est ruach merachefet et zeivita de meshira. C'est même l'époque de Mashiach, c'est-à-dire que la dernière étape après le tohu, vavohu, l'obscurité et les abîmes, c'est l'esprit d'Hachem qui plane. Donc ça veut dire que quand tu attends Mashiach, ça veut dire que tu exprimes la emouna, que déjà, tu vois bien qu'il y a déjà 4/5 du travail qui a été... On est aux abîmes, là. On est dans Mashiach, maintenant. On est entre la fin des abîmes, puisque les abîmes, c'est... C'est le premier nom qui dit ça, les rabbins.
Non, mais Mashiach, ce qui est d'homme, il est long, on l'a vu hier. C'est Galout Chen Reker, qui est une Galout qui n'a pas de face à laquelle on est. Pour ça, c'est des abîmes. Les abîmes, c'est quoi? C'est un peu des profondeurs. C'est très loin, c'est profond. Ça fait plus de 2000 ans qu'on est dedans, depuis la destruction de Batamidash. Mais ceux qui étaient sous domination grecque, ils savaient que Mashiach n'allait pas arriver. Est-ce qu'il fallait passer aussi par Rome? Mais non. Ça va dépendre. On va voir. Vas-y, il fallait passer par les Saint-Denis. C'est de l'achat de Dieu Catatré. C'est de l'achat de Dieu Catatré. Moi, c'est machin. C'est un truc, c'est que les 4 exils, c'est une fois que les 4 exils, ils sont passés qu'il avait. Pas au cours de la visite, t'as dit, bon, de toute façon, il va y avoir la France. Sinon, les mecs, ils ont arrêté. Il savait qu'il allait voir ça. Alors, il l'a parlé déjà? Non. Oui. Il savait qu'il allait voir ça, c'est pas parce que, il a, c'est une autre question, ça. Parce qu'il a vu que c'était pas du tout le moment. C'était pas le moment. C'est le machin de sa génération. Il doit revenir lui aussi, Moshé. Il aurait dû être. Il n'a pas eu de Mashiach finalement. Il y a quand même Mashiach, il doit amener une Geoula définitive. C'est pour ça que Moshé va refuser avec Hachem pendant une semaine devant le soir non. Parce qu'il sait que cette Geoula définitive, cette Geoula égyptienne, elle n'est pas définitive. Parce qu'Hachem lui dit, va dire au Bnei Israël, je serai celui que je serai. Quand il se prononce, comment il s'il demande comment tu t'appelles. Ayez Hachar Ayez. Ça veut dire quoi, Ayez Hachar Ayez? Je serai ce que je serai. En gros, Hachem dit, tu leur diras que je serai celui qui les délivrera en Égypte et je serai celui qui les délivrera à la fin des temps. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une suite. Et là, Moshé, ça m'embête. Moi, je veux un délivrer. Il veut maintenant, pas que tu les délivres. Il voulait que le Bnei Israël connaisse la Géoula dès maintenant, mais ce n'est pas le Zman. Pour dire qu'il n'a pas été Mashiach, il a été un Mashiach, on va dire. Un libérateur. Temporel, on va dire. Ouais, potentiel, t'as raison, mais factuel. Voilà, factuel, exactement. Mais ça n'a pas été le Mashiach qui amène la cinquième, la dernière étape. Mais là, on est ça avec Veta de Mishirah. On est dans les talons du Mashiach, ça, on est à la jonction entre l'exil romain et ce moment où ça peut arriver. Maintenant, ne me faites pas dévier, s'il vous plaît. On va en parler, évidemment, doucement. La question qu'on va poser maintenant, vous allez la voir, mes intachés dans les mots. Parce qu'il n'y avait pas eu le premier Tamikdash. C'était sûr qu'il n'y avait pas eu le premier Mashiach, Moshé. Ça aurait pu. Mais on va pas, on ne rentre pas encore dedans. On est dans Hanouka. Donc, ce qu'on a, il faut terminer ce qu'on a dit hier. Donc, on a par rapport à nos questions, Donc, on a bien compris que la Yeshua, on l'a bien précisé, aussi bien à titre collectif qu'à titre individuel, ne s'opère que dans la mesure où l'homme ou le peuple atteint quasiment un point de brisure. Dès que le point de brisure est presque atteint, Hachem intervient. Et on a donné des exemples, même David Améler, qui dit à Nitola, je suis que vermine. Ça veut dire quoi, je suis que vermine? Bah, dès qu'il a prononcé, il a exprimé cet état dans lequel il se sentait vermine, Tolaat, c'est là que Kadosh Baruch Hu l'a rendu de David, qui on connaît, David Améler, et qu'il a sorti de ses turpitudes. Et toute l'histoire, ça a été comme ça, non-stop. Aaron et Cohen qui dira avec Moshe, Venachnouma, nous qu'est-ce qu'on est? Et puis c'est comme ça qu'ils vont prendre le leadership, qu'ils vont grandir. Dès qu'ils s'annulent. Dès qu'on arrive, en fait, finalement, c'est ce qu'on a expliqué, on a donné l'enseignement de Rabbi Nachman hier, que, en fait, la galoute est le résultat d'un manque d'émouna du peuple, et le manque d'émouna du peuple est le résultat d'un manque de Hanava. Si le peuple a l'humilité et la modestie, il prend conscience immédiatement de la puissance monumental et infini d'Hachem. Donc, si tu prends conscience de la puissance monumentale de sa présence et de son intervention, donc du coup, t'es Mamin Bachem, et il dit, c'est si t'as Mamin Bachem et que t'as le Bitachon, il n'y a pas besoin de Galout. Donc, je ne sais pas quoi je vous ai utilisé maintenant. Qu'est-ce qu'on a dit? La vermine. Voilà. Donc, merci. Donc, effectivement, c'est l'état d'Anava extrême qui amène l'homme à se développer. Ou bien, si on n'est pas Anava, ben, bah, la Galout nous rappelle ce qu'on est. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Je vous rappelle, vous êtes que des juifs, les gars. C'est ça que veulent nous dire les goy. Vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas d'endroit, vous n'avez pas de terre, vous n'avez rien, vous n'avez pas de fortune à vous, vous dépendez de nous. Donc, ils nous forcent. On a utilisé que tous les grands, ils sont passés par là. Oui. Et ils étaient grands, ils n'avaient pas cette année-là. Vas-y, bah justement, ils n'avaient pas de base. Il leur manquait quoi? Pourquoi il n'y a pas de base? S'il avait, parce qu'on voit qu'il le montre. Non, mais il avait. Puisque tu as dit qu'il faut arriver à un point de retour pour remonter. Attention, il n'y a pas que la nana, on a dit, c'est cette histoire de. C'est ce sentiment. Sentiment, parce qu'aujourd'hui, il faut dire, c'est pas un sentiment. Abraham, il avait la Emouna, il savait qu'il y avait. Oui, mais c'est pas que. C'est-à-dire qu'on a dit encore une fois, il faut ressentir une sorte de désespoir ou de quoi qu'il arrive, de moments sans issue, et où là.
c'est là que les gars de Jourdain intervient. C'est ça qu'on est en train de voir. Il faut cette putréfaction de la graine. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler à titre collectif. Là, maintenant, on parle du Ham Israël qui est en galoute. Hanouka, ça, c'est pas juste sur une famille ou quelques individualités. C'est tout un peuple qui s'est... Alors justement, on va voir. Donc maintenant, on a compris à travers cette explication pourquoi les Grecs, et c'était ça le vice, la méchanceté, la cruauté des Grecs. C'est que ce secret-là, que le juif doit parvenir à un stade de fin, finalement, d'extermination pour pouvoir renaître, personne ne le sait, ça. Sauf une nation qu'on appelle Chorma Mamashit, on l'a vu, la véritable science authentique qui connaît, qui ont bénéficié, on l'a expliqué hier, du Or à Chorma d'Akadosh Baruch Hu, ils savent ce secret. Donc, quelle va être leur intelligence? C'est de ne pas laisser, alors qu'ils sont souverains sur Israël et qu'ils sont la galoute, de ne pas laisser Israël parvenir à ce point de brisure. Parce que s'ils parviennent à ce point de brisure, qu'est-ce qui se passe? Comme il s'est passé avec Pharaon, comme il s'est passé avec Nabucodonosor, comme il s'est passé avec les Grecs, c'est leur fin. Les Israël vont renaître encore plus fort, mais eux vont disparaître. Donc ils vont créer une situation de galoute, mais qui ne va pas laisser les Israël arriver à ce point de brisure. Et voilà. Ça, c'est la pire Romains, des galoutes. Ils sont pas mieux que les Romains quand ils voulaient des... Et on a vu qu'ils étaient avec les Babyloniens. Quand Nabucodonosor a marché sur Jérusalem, toutes les nations se sont ralliées à lui, sauf la Grèce, déjà. Parce qu'ils savaient déjà que c'était... Oui, que ça aurait accéléré le point de brisure. Il fallait pas qu'ils prennent part à cela. Donc, c'est ce qu'on a vu globalement hier. On reprend... Le point de brisure, ça serait pas le fait d'interdire la Torah, par exemple. Pourquoi le point de brisure, ça serait pas le fait d'interdire? Parce qu'on a parlé du Beth Amigdash, pourquoi on parle des esprits? Mais pourquoi alors la Torah, c'est quand même le fondement de base du peuple juif. Donc c'est pas un point de brisure de dire, bah t'as plus le droit d'étudier. C'est une bonne question. Le droit d'étudier, y'a pas le droit de migrer, t'as plus le droit à rien de faire ta Torah, de faire Ouais, mais c'est de là qu'on voit que. Moi je pense. C'est malheureux, mais ça brise pas. Il y a des juifs qui étudient pas. C'est de là qu'on voit, c'est le fait d'être ensemble, je pense. C'est le fait de rester un peuple qui fait qu'on tient aussi. Oui, mais il y a notre hardout qui fait le fait d'être en famille, tu vois, d'être ensemble, même s'il n'y a pas de Torah, on reste quand même des descendants d'Israël, tu vois, on reste des béné Israël. J'entends ta question, mais ça veut dire qu'effectivement, le fait d'enlever la Torah n'est pas suffisant pour faire perdre le peuple. On reste le peuple. Bah, comme en Égypte d'ailleurs. On n'avait pas de Torah en Égypte, mais pourtant. Ça aurait été juste le Beth Amigdash pour toi. Le point de ralliement, ça aurait été le. C'est la raison pour laquelle on sort. D'ailleurs, comme on le dit à Pessah, Beth Abihira, c'est l'objectif. Ce que je t'ai dit, c'est le Beth Amigdash. C'est le top. Je pense pas qu'il peut avoir. On sort d'Égypte pour construire le Beth Amigdash. Parce qu'on sait que Beth Amigdash, malgré tout, la preuve pour nous. Regardez comment on réagit, excuse-moi du terme, pour un simple mur à Jérusalem. C'est un reste de mur de l'enceinte du Beth Amigdash et qui pourtant nous, quand on le voit, nous ravive. Donc on voit, imagine sur le Beth Amigdash, même s'il fonctionnait pas. On a les mesures. On a tout au prochain. Non, on a toutes les mesures du Beth Amigdash. C'est-à-dire, si demain, il y a un traité entier dessus. Hein? Il y a un traité entier de Gomara dessus et il le dit là-bas. Tout. Beth Amigdash. Bon, c'est rien à faire. Parce qu'il faut un prophète qui s'en occupe. Parce que par exemple, l'emplacement des meubles, comme du Mizbeach en particulier, l'autel des sacrifices, il doit être asymétrique avec celui qui est dans le ciel. Comment tu sais pour savoir quel est l'emplacement exact? Donc il n'y a qu'un prophète qui peut le savoir. Donc on n'aura jamais. Bah Mashiach, c'est lui qui a le rôle de mettre en place tout ça. Mashiach, il va naître comme nous, Mashiach, il va naître. Bah bien sûr. Ou il va arriver comme ça. Non, il est déjà né. Il est déjà né, il y a marqué. On en avait parlé, là, je crois, c'est l'année dernière, ou il y a deux ans, quand on faisait des cours sur Tisha B'Av. Il y a marqué que Machar est né à Tisha B'Av. Alors, c'est angoissant de dire ça, parce que s'il est né à Tisha B'Av, j'attends qu'il ait 30 ans, ou je sais pas quel âge, pour devenir Machar. Là-bas, je vais dire non. Chaque année, il y a un nouveau Machar qui est décidé par Hachem. C'est quoi un nouveau Machar? Chaque année, à Tisha B'Av, Hachem désigne un nouvel être humain pour porter les épaules, pour avoir les épaules et porter la mission du Mashiach. Il le sait pas. Il dévoile pas. Quand est-ce que la décision est prise par Hachem pour la nouvelle année? Le 9 Av. C'est pour ça qu'on dit que le Mashiach, il naît le 9 Av. Donc depuis le 9 Av, il y a un homme qui est disposé à agir là maintenant. Il est beau, quoi. Il peut ne pas, comme il peut l'être. S'il est prophète, il doit être un peu prophète. Hein. Comme il peut, comme il peut. Mais ça dépend pas, on verra, ça va dépendre. Soit. T'es au courant ou t'es pas au courant? Moi je sais c'est qui. C'est sûr, c'est moi.
On va voter quelque chose. Yeah, bah, après, on peut étudier quels sont les critères de sélection du Machar. Le Machar, il a des preuves à... Comment ils ont... Comment ils ont su que quand les Romains ont détruit Beth Amigdash, les Grecs se sont opposés, ils n'ont pas voulu qu'ils soient détruits. Non, au moment des Babyloniens. Ah oui, des Babyloniens. Ils sont pas ralliés. Comment c'est que les Grecs se sont opposés? Pourquoi? Parce que tout le monde s'est rallié sauf eux? Ouais. Toutes les nations ont rejoint Nabucodonosor sauf Yavan. Comment c'est? Je sais pas, il a pas dit. Il a pas dit. Ça, j'ai dit que c'est bien de... Histoire. Faut voir quelles relations il y avait entre eux. Donc, et puis vous allez voir, donc vous avez compris maintenant, ça a été ça la cruauté des Grecs. Pourquoi on construit pas le temple? On détruit pas le temple parce qu'on veut laisser la flamme encore juive. Pourquoi on vous décimine pas? Parce qu'on veut pas que vous soyez décimés. Parce que si vous êtes décimés partout, c'est le point de brisure. Donc les Grecs, ils vont, et c'est ça la force de Hanouka, c'est pire que tout. Parce que si tu nous laisses en suspens, comme ça, en sursis, ça peut durer combien de temps? Et vous allez voir, ça va aller beaucoup plus loin, Bézant Hachem. Alors on y va, on s'arrêtait où hier dans les mots? Oulam, donc nous sommes dans la troisième page, colonne de droite, l'Olishbor. Vous voyez le titre, l'Olishbor? Est-ce que vous voulez que je vous envoie le lien par WhatsApp? Le fichier. Attends, je vous envoie le fichier. Attends, est-ce que je l'ai mis? Je sais pas. Ah voilà. J'envoie sur Beta Midrash, tout de suite. Razak, à toi, Dylan. Et merci pour le petit déj. Merci. Un jour de rekiff. Voilà, je vous envoie sur Beta Midrash le fichier numérique. Oulam, cependant, donc c'était le dernier paragraphe qu'on avait abordé hier. À Ivanim, qui Yadou et Asodazé. Les Grecs connaissaient ce secret de la régénération des Bnei Israël dès lors qu'ils atteignent un point de quasi non-retour. Et Mévinou, ils ont compris chez Davka, Jvira, Mouchletet, chez l'âme Israël, ils ont compris que c'est justement la brisure absolue du peuple juif, Isad, Jetavid et Tikouma, Shelem, qui les amène à une véritable résurrection, en fait, et encore plus forte. Kaacha, Benossa, Figam, Tishbov, et Davis, et Damsar, Mati. Et Yadusha, Koach, Amitsi, ils ont compris que la force authentique du âme Israël, ou c'est Kaacher, et Mitsa, Mbessi, Achafel, c'est quand ils se trouvent dans la situation la plus basse. Qui est Moïse Avraham, et encore une fois, je vous ramène rapidement, je vous laisse penser au halachot de la Hanouka. Parce que finalement, on a dit que tout halachot de la Hanouka, c'est quoi? Sion, toute halachot relative à la Hanouka, qu'est-ce qu'elle prouve? Qu'on doit être dans l'obscurité. Que tout se passe dans des points de brisure les plus bas. En dessous 80 Tfahim, à gauche, où il n'y a pas de Kdoucha, de gauche à droite, avec même des huiles les plus basses, à l'extérieur de la maison, on a dit Rechov, c'est le Makom de la Touma. Donc on voit que toute la pratique et technique de la Hanouka, c'est justement la lumière dans le point de brisure. On va voir Bezrat Hashem. Kemo et Tzel Avraham, donc comme on a vu à propos d'Avraham qui a dit, va Anochi Afar Vaefer, je suis cendre et poussière, ou bien David Ameler, Anochi Tolaat, et puis il y en a plein d'autres comme ça, je veux dire, et Moshe Aaron, ils ont rien d'eux. Ils ont dit, Venachnouma, non, c'est même pas ce qu'on est. Venachnouma, on est quoi? Donc, c'est vraiment le stade d'effacement total. Et Miyadou, et ils savaient, ces Grecs, Shadavar, Mesoukan, Biotev, Ravouram, que la chose la plus dangereuse pour eux, ou la vie à Tamisraël, Nkoudat, Efes, c'est d'amener Israël au point zéro. Kisham, Ben Koudazot, à ce point-là, Régalifnasov, un instant avant la fin définitive, Matrila Nevita commence la germination. Vatzmicha Mechadash et une pousse toute nouvelle. Elohem Aklalim Shalaberia Becholanoga Alam Israël. Ça, ce sont les principes, donc, de la création, qui concernent tout Israël, le peuple. Le truc, c'est quand on arrive au point de brisure, c'est le peuple, c'est les bénis Israël qui se réveillent, genre, comptez où, à 1%, ou c'est Hachem qui fait. Non, c'est Hachem qui intervient, comme on l'a vu à Pessah. C'est Hachem qui intervient. Chargeur. Il n'a plus le choix, parce que nous, on est fini, on ne peut plus se relever. Donc là, ouais, force le bon Dieu à te sauver, quoi.
Quand t'arrives, c'est pas notre faute, c'est la galoute qui nous met. Maintenant, vous allez voir le caractère exceptionnel de Hanouka. Dans quelle situation on était à Hanouka? Bon, vous allez voir, je vais pas en dire trop. Vous allez voir, vous êtes déjà. La question qu'on va aborder, elle est monumentale. Pourquoi est-ce que les Chachamim, ils ont décrété Hanouka que l'année d'après? Pourquoi ils n'ont pas fait tout de suite comme à Pourim? Le jour même à Pourim, ils ont décidé. Mordechai, il a dit, il faut que ça y est, c'est la fête. On va étudier ça. Il y avait des combats militaires encore. Où? La guerre, elle a duré longtemps, notre Hanouka. Oui, mais elle a duré une trentaine d'années. C'est-à-dire, tous ces combats ont duré une trentaine d'années, mais la dernière année, ça a été ça y est. Dès qu'on a investi le Beth Amikdash, c'était fini. Donc pourquoi l'institution de la fête, elle s'est pas faite dans l'immédiat? Ça, c'est la question qu'on va aborder, Bezrat Hashem. Juste, je vous l'annonce un petit peu. C'est la victoire militaire, pas la victoire spirituelle. Il lui attend un an de plus. Ouais, mais c'est dangereux de dire ça parce que du coup, il semblerait que. Ça va dans les mots. Dans la Nissim, Kéayamazé. On est libéré comme ce jour-là de la victoire militaire l'année dernière. Alors d'accord, on va voir, d'accord. On va dire Bayamazé. Il y a l'institut. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, on va analyser quelle était la situation à l'époque du peuple juif pour savoir si effectivement on était vraiment dans un point de non-retour. Zegam Mashanachun Vashim Akazuachu Bidashanu, donc c'est ce qu'on demande aujourd'hui à notre époque aussi. Betor Hagalou Taruka dans cette monde, dans son exil. Or Hadash Atsion Tayir, qu'une lumière nouvelle brille sur Tsion. On en est arrivé là hier. La reine, c'est pourquoi Aïvanim, Mechor Matam, Huvilou, Maalach, les Chachamim dans leur sagesse. Huvilou, Maalach, Shelo Yavi, Tayudi, Mishvirad, Mochletet. Ils ont mené donc un processus qui n'a pas laissé les Juifs arriver au stade d'une brisure absolue. Emlo Echrivot Betamidash, ils n'ont pas détruit Betamidash. Vem Gamlo Iglou, et Am Israël Marceau, ils n'ont pas non plus pour autant, qu'on appelle ça? Exilé, merci, le peuple d'Israël de sa terre. Les FR, au contraire. Et c'est ça qui, maintenant, c'est le plus. Emetivou, ils ont fait du bien. Am Israël Meod, mi Bechinat Gashmi, du point de vue matériel. Israël était au top. Aïta Az Rivacha Gedola. Qui? J'ai pas mis. Oh.